Bonjour à tous et à toutes. Me voilà pour un nouveau tirage pour ce mois de décembre pour terminer tous les signes. On va regarder celui d'aujourd'hui. On va tirer au sort. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois de décembre, sachez que ça peut aussi aller pour le mois de janvier. On va regarder pour le signe des Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers amis? Donc, on va prendre d'abord une petite carte conseil, voir ce qu'on a. En plus de ce tirage, ensuite je vais vous faire votre tirage au tarot. Donc les Sagittaires pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qu'on a comme message conseil pour les Sagittaires? Un message conseil ici des guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Des opportunités, c'est une très belle carte. Opportunité, vous voyez, elle ouvre les bras au ciel. Il y a des choses qui arrivent pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des propositions certainement qui vont vous être faites, des opportunités peut-être professionnelles, donc qui vont avec l'argent qui rentre, ou des opportunités d'ouverture, peut-être sentimentale, qui va apporter une certaine abondance. En tout cas, il y a des choses qui arrivent vers vous en ce mois de décembre de manière très positive. Alors, on va regarder avec le tarot. Sagittaire, décembre 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires en décembre 2023? Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires en décembre 2023? Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires en décembre 2023? En coupe et je prends quatre cartes. Tirage en croix, Sagittaire. Que va-t-il se passer ici au mois de décembre? On va regarder tout de suite. Alors, la justice, le soleil, le chariot, l'ermite. Alors. Il va falloir. Alors, je sais pas si pour certains une histoire en justice, on peut nous dire que ça va être compliqué. C'est peut-être pas vous qui allez avoir gain de cause parce que le soleil est en contre. Il y a quelque chose qu'il va falloir. Couper, c'est comme s'il y avait deux voies, deux situations qui sont présentes dans votre vie, deux possibilités. Et une des deux sera une opportunité en or, j'ai l'impression que l'autre, non. Il va falloir faire le bon choix. Et on voit justement avec l'ermite que vous êtes un petit peu perdu ici, les Sagittaires. L'ermite se cherche, l'ermite est seul, il a besoin d'un temps d'introspection pour réfléchir à quelle décision, à quel choix il va faire. Parce que la justice nous parle de choix avec son épée où on coupe avec une des deux possibilités et le chariot, on choisit une voie parmi deux possibilités aussi. Donc ça, c'est deux cartes de choix pour moi. Où vous avez en fait dans votre vie actuellement peut-être deux opportunités, deux possibilités qui vont se présenter ou qui sont déjà là au niveau professionnel. On vous a fait des propositions au niveau sentimental ou par rapport à une maison, ça peut être plusieurs choses. Pour que ce soit positif et que le soleil revienne, pour le moment c'est flou, vous êtes perdu, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision et couper avec une des deux. Et effectivement, ce qui domine, c'est le chariot. Donc vous pourrez ensuite avancer en prenant cette nouvelle direction. Donc vous coupez avec une pour prendre la bonne opportunité, prendre la direction positive pour vous. Vous avez deux choix, vous avez deux directions de vie ici. Peut-être une bonne, une mauvaise. Choisissez la bonne, je vous en prie, je vous en supplie, c'est important. Parce qu'on peut par exemple garder nos mauvaises habitudes alors qu'il y a des opportunités de changement qui arrivent pour vous. Vous êtes un petit peu perdu, c'est un peu flou hein, ici. Donc, choisissez le bon chemin, coupez avec les mauvaises habitudes ou avec ce que je vous ai dit, professionnel, sentimental, pour un habitat, un lieu de vie ou une attitude, tout simplement.
On regarde la synthèse. Je vais quand même voir ici. 11, 20, 20, 30, 40, 39, 47, 46, 10. C'est la roue de la fortune. Ok, super. Donc, la synthèse nous dit que les choses vont quand même tourner en votre faveur avec la carte de la roue de la fortune. Donc, vous allez faire le bon choix. La roue tourne. Il y a un blocage en ce moment. Il y a un blocage en ce moment parce que justement, il y a quelque chose qui est flou. Hein. On se cherche ici avec l'ermite. Quelque chose qui est flou. Et pour éclaircir cette situation, vous aurez besoin d'un certain temps de réflexion. Voilà, de vous mettre dans votre grotte, de réfléchir. Et puis, entre les deux situations qui sont dans votre vie actuellement, dans ce mois de décembre, eh bien, il va falloir couper, trancher et prendre la bonne direction. Avec le chariot, on avance, vous allez pouvoir avancer. La roue vous parle aussi d'avancement, de déblocage de situation. Vous avez trouvé la solution, prenez celle qui vous apportera l'opportunité en or. Voilà ce que je peux vous dire. On va prendre une coupe pour le sentimental. On va regarder aussi ce qu'on a pour le sentimental. Alors, si les Sagittaires, on parle de votre foyer, là, que ça s'est retourné. Sagittaire, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On va prendre une coupe. Alors, il y a quelques perturbations au niveau sentimental qui vous affectent par rapport soit à un enfant ou soit par rapport à votre enfance, qui vous affectent encore et qu'il faudrait peut-être aussi faire ce travail d'introspection. Ça peut être effectivement au niveau de l'amour et si vous avez un choix d'amour ou d'amour de vous-même pour prendre le bon chemin, de vous guérir ou de vous détruire. J'ai un peu ces mots assez forts qui me viennent en tête et ça peut aussi arriver dans le domaine sentimental. On me dit que c'est assez perturbé et ça peut venir de votre enfance. Et il y a eu aussi une situation qui vous a déçu énormément, c'est qu'il y a eu une trahison dans votre couple, dans votre mariage. Il y aura peut-être un retour de situation qui va ramener un équilibre dans votre vie sentimentale par la suite et un nouveau départ. D'accord, mes chers amis? Donc choisissez vraiment le bon choix, faites le bon choix. Voilà. Il y a une opportunité qui est là pour vous. Vous avez deux. C'est un petit peu comme la balance. Vous avez deux choix ici à faire, mes chers amis Sagittaires. C'est comme si on vous proposait un plateau, ben voilà, une balance avec deux plateaux et vous avez à choisir lequel je vais prendre. Donc, réfléchissez, écoutez votre intuition, prenez du temps pour vous, c'est l'ermite, pour que s'éclaircisse votre situation en ce mois de décembre avec le soleil, parce que pour le moment c'est flou, on se cherche et puis ça bloque un petit peu. Donc, pour que ça avance, il vous faudra prendre ce temps-là. Quand vous l'aurez fait, quand vous aurez fait cette introspection, eh bien, vous pourrez avancer. En tout cas, on nous parle d'opportunités positives comme conseil ou comme message des guides. Et je pense que c'est ce qui va se faire pour vous. Il y a peut-être un retour au niveau sentimental qui reviendra et qui vous permettra de retrouver de l'ordre dans votre vie amoureuse. N'hésitez pas de me mettre un petit commentaire si vous le désirez. Ou si vous voulez une guidance privée avec moi, vous m'écrivez sur mon mail sandrabronze3@gmail.com. Et je vous mets tout ça sous la vidéo sur TikTok. En tout cas, bienvenue ici et merci de me suivre. À tout bientôt. Au revoir.